Vous avez toujours rêvé de connaître le quotidien des artisans? Bonnes Ondes est une série proposée par Weekendoo qui vous invite à pousser la porte d'un atelier depuis votre canapé. Aujourd'hui, dans la vie d'abeille, Étienne Raguenel, apiculteur à Paris, nous embarque avec lui à la découverte des abeilles Buckfast et des abeilles noires. Bienvenue au cœur de ces ruches. C'est des petites ruches que j'ai mis en des ruchettes. J'ai mis en ruche comme tout à l'heure. C'est des essaims que j'ai achetés. Donc voilà, très douce, Buckfast, vous voyez, elles sont un peu orange, très douce, et voilà. Donc là, tout ça c'est vide, ça c'est vide, il y a 10 cadres, ça c'est une partition isolante, là je vais la motiver pour se développer sur les côtés. Donc voilà, c'est toujours cette ruche. Et là, elles ont commencé à cirer, vous voyez. Elles commencent à épaissir la cire. Elles sont nombreuses et elles font des alvéoles. Voilà. Donc l'idée, c'est de les motiver à cirer des nouveaux cadres. Donc j'intercale. Vous voyez, le blanc au milieu. Hop, j'ai mis le noir à droite. J'ai mis un œuf au milieu. Voilà, ça c'est le nid où il y a le couvain. Donc je vais les motiver. Bon, là j'ai mis la fumée. J'en mets un petit peu. Vous voyez, dès que elle remonte là. Hein. On voit bien que c'est une abeille noire. C'est pas pareil que les autres. Voilà, l'abeille noire c'est ça. Un peu plus agité. L'autre c'est la Buckfast. Bon, j'ai des ruchers, celle-là je vais la transvaser dans un rucher d'abeille noire. Elle est pas mal, elle a l'air assez douce. Et là, une partition isolante sur le côté, c'est pas un cadre. Je vous montrerai. Voilà, c'est pour les confiner pendant l'hiver. Il y a plein de propolis. Et là pareil, je vais insérer un cadre de cire gaufrée. Voilà, je vais pas le mettre sur le bord, je vais décaler. Donc là je décale, hop, je regarde. Bon, celui-là il est pas construit. Bon, elles ont encore du développement à faire, hein. Ouais. Mais là on voit déjà en deuxième cadre, il y a déjà de la ponte. Magnifique ponte. Voilà, ouais, je ne plante pas. Ah, mais je suis à l'ombre. Un peu plus agité, hein, ces abeilles. Voilà, c'est leur caractère. Et là, il y a plein de pontes. Voilà, là on est dedans. Bon, c'est toujours la même ruche, la ruche d'abeilles noires. J'ai enlevé un cadre à la partition. J'ai décalé l'autre cadre qui est vide. Donc, elles vont remplir ça de miel ces prochains jours. Et là, je mets un petit cadre de hausse. Voilà. Elles vont construire des mâles en dessous. Elles vont faire de la cire naturelle. Voilà, c'est un demi-cadre. Donc, en dessous, elles vont faire. Des mâles. Je vais les retirer, je vais contrôler l'infestation du varroa. Et puis ça va les exercer pour bien bâtir. Elles sont douces. Hein. Ouais, elles sont cool. Merci d'avoir regardé le premier épisode de Bonnes Ondes. Découvrez prochainement les ruches d'Étienne Raguenel, apiculteur du collectif Weekendoo. À bientôt!